Bonjour, frère Maxime, comment nous sommes? C'est JFL Cuisine Créole, Jean Fédon lundi, votre chef à la maison qui entre là avec nous. Moi, dis nous grand merci parce que nous avons suivi, merci pour confiance nous et merci pour fidélité nous. Bon, dis nous non. Je dis à la moi préparer une boulette de lame véritable pour nous. Ok? Pour me faire une boulette ça, regardez qui ça me fait, moi, caler lame véritable là déjà. Mais nous, café, vous savez, nous voulons, ok? Mais l'essentiel, ça que moi, dis nous, moi, je vais faire une cuisson à sec. Qu'on a la même caler lame là déjà avec un petit oignon. Qu'on n'a pas porté accent sur qui j'en vais faire le cuit là pour nous. Même un papier, même un plateau moi là, même un papier aluminium là, moi mettez le avant. Et puis après ça, moi mettez un papier de cuisson. Si toutefois, ou pas un papier de cuisson, ou que nous allons faire directement le plateau. Mais sauf que, ou pas le siver l'empile pour qu'il ne pas brûler, pour pas un petit couleur jaune là-dedans, ni noir. Qu'on a même mis le papier comme ça. Moi déposer l'âme véritable à sous lui et moi déposer oignon aussi. Une fois que moi mettez oignon, moi mettez un peu de sel, mettez une quantité de sel suffisante qui pour le goût sel. Après ça, moi mettez poivre. Fini mettez sel, poivre, oignon, qu'on a moi mettez l'huile d'olive. Qu'on y a là, c'était pour ça que je mettais papier sulfurisé maintenant. Qu'on a papier sulfurisé, ça papier de cuisson, c'est pour protéger l'aliment pour moi, pour que le papier aluminium ne pas coller avec l'aliment. Qu'on a l'ambre, le mettre en bas four à 350, une cuisson normale, moi, tu as supposé joindre à partir de 45 ou 1 heure de temps. Par rapport à la grosseur que je taille l'âme. Si je découpe l'âme en plus mince, c'est sûr qu'il dit après moins de temps. Le fait que moi coupe un petit peu gros parce que j'ai besoin de vraiment ferme qu'on a mal mettre dans le four 350 préchauffé 45 minutes ou 1 heure de temps. Qu'on y a là pendant l'âme véritable à griller en bas foie, mais viens moi là moi-même son viande agneau ou nettoyer comme vous voulez, m'a venir juste boire une idée d'assaisonnement, mais moi même juste passer le sous l'eau, c'est tout. Moi conserver gras, moi pas enlever gras parce que les doigts le fil va le cuit en bas foie. Grâce à la protéine au goût qu'on a pour ma saisonnelle, je vais mettre seulement sel et poivre. Je vais mettre sel de côté-ci et je vais mettre poivre, sel de l'autre côté. Je vais mettre poivre aussi dans même dans deux côtés. Je Une fois que je mets bien la saisonnelle, juste qu'on a mal saisi les deux côtés. Une fois que l'huile est bien chaude, je vais déposer carré d'agneau à la dedans. Après juste une minute d'un côté comme ça, je n'ai pas besoin de trop colorer parce que c'est lui-même que je vais craser pour mettre dans la boulette là. Donc, on a moins vu de l'autre côté. Je vais tout fermer pour moi. On a la moitié mettre dans le bas four pour les cuire aussi. Il y a un bon 40 minutes lui-même. Ma fin qu'elle cuite, ma sortie, et puis pour mettre le refroidi, ok? Qu'on a la mettre dans le bas four. Après 45 minutes, mais viennent là, il est en cuite. Qu'on a qui ça va le faire? On va juste mettre le refroidi. Et puis l'aime fin refroidi, moi va venir couper, depuis ma venir avec tout bien coupé, puis monter nous un petit morceau qui j'en vois dire, ok? Ok, tiens, regarde. Mais là, non, là. C'est vraiment bien cuit, là, bien bon, ok? Moi, faire le cuit, c'est pas fait, ok? Donc, gardez-le, moi, vérifiez-le, moi. Il cuit pendant 1 heure de temps et 20 minutes. Ok? Avec les oignons, tout bien coloré. Quand y a là, moi, je vais commencer à faire pâte avec boulette. Ok? C'est une cuisson sec, moi, j'ai besoin. Regarde, c'est excellent, hein? Moi, goûtez-le. C'est vraiment bon avec ces oignons, c'est écœurant. Même à la soeur là, moi, je mets point. Si toutefois, pas bien, qu'on a là, ou qu'on commence à craser avec yon bagay nous kon fè sauce poivre. On ti machine sauce poivre nous krasé. Kon a la mwen mete lam nan la dan. Et mwen mete zonyon la dan tout. Et kon a la mwen pralye. Mwen pral commence brasser la. Et lam nan gen te gratiné. Si gratiner ça, c'est sûr que vous pas craser qu'on a même ça m'a fait. M'a juste retirer petit pour gratiner.
Ok, qu'on a retiré tout type de jaune qui était censé colorer, qui était gain, ça nous a les secs là, qu'on a reparti les encore. Ok, qu'on a une fois que moi bien raché les, qu'on a mal commencé, mettez l'autre ingrédient là-dedans. Moi mettez deux jaunes œufs entiers là-dedans. Moi mettez trois quarts de tasse de lait dans la quantité que j'ai, moi-même m'a écrit recette là en bas pour nous. Qu'on aime aller doucement. Qu'on a là, moi prends le temps pour moi bien brasser lui parce que la nouvelle qui a commencé à couler là. Moi connais bien peu de monde qui va dire au pareil mes œufs. Sous pareil mes œufs, on va peine mettre seulement une tasse de lait au complet là-dedans. Qu'on a là, pendant que tout brasse là, qu'on a là, mais viande à Nioa, moi déchiqueter lui, moi déposer là-dedans. Bien déchiqueter. Hey, c'est bon. Moi mettez 2 à 3 cuillères de persil haché là-dedans. Mais, petit piment bouc, nous connaissons. Hein? Un petit piment bouc haché, moi mettez là-dedans aussi. Je vais mettre un petit poivron, je vais couper en cube. Je vais mettre un petit sel. Et je vais mettre un petit poivre. Si toutefois, vous avez l'autre épice qu'on remet, vous avez le droit de mettre là-dedans. Okay? Mais comme ça, là, c'est parfait. On a là, on va commencer très fort, on va aller doucement. Hein? Fait une fois que mettez poivron avec viande tout épicé pas besoin d'en faire un pile brassage pour pas écraser trop c'est fini qu'on a là on va le retirer on a là mes boulettes là devant nous là waouh et c'est bon là c'est très 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 bon mais c'est pas encore fini là qu'on a là moins que ça là qu'on a va le faire boulette yo qu'on a pendant que va le faire boulette là là m'a venir avec d'autres choses encore ok mais qu'on a pour le moment pas mal poissonner quelques boulettes. Là, mais on chapelle yo que moi j'ai fait et puis mes boulettes là viennent mes lames là ok avec agneau moi juste un pour moi faire li n'a fini fin faire moi déposer directement dans chapelle yo là moi envelopper la veine juste chapelle yo et voilà même déposer ça là sous l'eau que nous allons faire dans friteuse ok ben là c'est bien beau non ben sauf que nous conserver le conserve dans le congélateur parce qu'il dit c'est un bagage qui pré-cuit déjà ou on est sorti ou mettez le dans le four qu'on a nous même pour vidéo à m'a fait au cuit et puis pour nous carrel c'est beau hein qu'on a m'a pas arrangé n'a m'a continuer de suite en suite et puis à la fin m'a venir avec tout bien arrangé pour montrer nous ok c'est excellent hein m'a regretté hein? Nous voilà mon bagage c'est très très bon qu'on a là m'a le mettre froid à 400. Parce que moi, simplement, seulement pour le faire, chapelle là pour une belle coloration, et puis c'est bon. 400 degrés, 10 minutes, c'est prêt. Ok? Ok, maintenant, hein? C'est excellent. J'aime te dire, noir, ok, mettez-la 400 degrés, 10 minutes, et puis c'est parfait. Juste une petite coloration en bas, et puis c'est parfait, ça. Regarde, waouh. Qu'on a mal juste arrangé le long bol, et puis qu'on a mal ouvert pour montrer nos résultats qui s'allient. Ok? Ok, qu'on a là, fini de ranger ça pour nous là. Nous déposer ça sur une table à gâte. C'est wow, hein? C'est wow, wow. Succès sur toute la ligne, c'est bon. Qu'on a juste ouvrir pour nous garder, pour nous voir est-ce que ça vaut la peine pour nous le faire vraiment. Du pape semble à ton tom là. Regarde-moi ça. Wow. Regarde, wow. Oh mon Dieu. Vous voyez? C'est trop beau pour être vrai. C'est bon. Avec tes guagnois, regarde. C'est très, très, très bon. Ok? Elle fait ça là qu'à nous et puis n'a bonne nouvelle. C'était JFL, Cuisine Créole. J'ai fait dans lundi, votre chef à la maison qui est rentré là qu'à nous. Merci. Au revoir.